Et les voilà partis pour la première épreuve de ce grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est un groupe 2, le Qatar Prix Chaudenay, qui s'adresse à des 3 ans sur la longue distance de 3000 mètres, avec un bon départ de Lilian Russell, le numéro 7, qui vient immédiatement s'installer parmi les premiers. Ziyad, le numéro 5, est à son intérieur. Las My Swashbuckler, associé ici à Yoritz Mendizabal, en remplacement de Eugene Murphy, vient également très près des animateurs, alors que voilà maintenant le grand favori, le numéro 4, Brundtland, qui vient à l'extérieur prendre l'avantage. Derrière, patiente Bartaba, devant également Mystic Sunshine. Côté corde, galope le numéro 3, Silver Flight, devant le 2, Boulevard. Le premier tournant, abordé en tête par le grand favori, le numéro 4, Brundtland, associé à William Buick. En deuxième position, galope le numéro 5, Ziyad, à la hauteur de Lilian Russell. Mystic Sunshine, le numéro 6, venant ensuite à la hauteur de l'as, My Swashbuckler. Quant à Silver Flight, le numéro 3, il est toujours côté corde, devant Boulevard et le 8, Bartaba. Toujours le favori, Brundtland, qui règle l'allure en tête. Ziyad est dans son sillage. Côté de l'autre atout de la Kazakh Godolphin, c'est le numéro 7, Lilian Russell. Et aux côtés maintenant de Mystic Sunshine, Stéphane Pasquier, qui a décidé de laisser galoper sa partenaire. Il vient maintenant très près de l'animateur Brundtland. Derrière, il y a toujours My Swashbuckler. Devant le 3, Silver Flight, Boulevard et le numéro 8, Bartaba, qui patiente toujours en dernière position. Les concurrents vont passer dans quelques instants derrière le petit bois. Avec Brundtland, le favori, qui a toujours le meilleur. Mystic Sunshine et Stéphane Pasquier sont donc en deuxième position. Côté corde, il y a Ziyad. Devant Lilian Russell, Silver Flight est toujours à la corde. My Swashbuckler venant un peu plus loin. Devant le 2, Boulevard. Et le 8, Bartaba. Ils sont bientôt en haut de la montée. Direction donc la descente, avec Brundtland, le favori, qui règle toujours l'allure. Mystic Sunshine est en deuxième position. Devant Ziyad, qui est côté corde. Lilian Russell à son extérieur. Ils sont deux par deux à cet instant. Silver Flight, le numéro 3, venant toujours côté corde, à la hauteur de My Swashbuckler. Boulevard et Bartaba sont toujours à l'arrière. Positions qui n'ont pas changé. Toujours Brundtland, le favori, qui a le meilleur. Devant Mystic Sunshine, Ziyad est à son intérieur. Lilian Russell vient un peu plus loin, en quatrième position, à la hauteur de Silver Flight. My Swashbuckler, Boulevard et le 8, Bartaba. La fausse ligne droite. Brundtland qui accélère devant. Mystic Sunshine est en deuxième position devant Ziyad, avec Lilian Russell également maintenant, qui est lancé à son tour par Michael Barzalona. My Swashbuckler qui tente de refaire du terrain à cet instant devant Silver Flight, Boulevard et Bartaba. Ils abordent maintenant la dernière ligne droite avec Brundtland qui est actionné, le favori, par William Buick pour conserver le meilleur. Lilian Russell qui vient à l'extérieur. Ziyad qui tente de progresser, lui, côté corde, avec les deux représentants de la Kazakh Godolphin, Lilian Russell et Brundtland maintenant qui luttent pour la victoire. Lilian Russell, le numéro 7, la pouliche, qui a maintenant pris l'avantage, mais Brundtland tente de se ressaisir. Lilian Russell qui a le meilleur, environ maintenant 200 mètres du but. Et Brundtland qui repart, le favori, qui réaccélère, le numéro 4, Brundtland, qui va s'imposer ici et conserver son invincibilité. Le 7, Lilian Russell sera deuxième devant l'as, My Swashbuckler.